Messieurs, monsieur le représentant, vous voyez, je ne suis pas protocolaire, monsieur le représentant du ministre de la Culture, monsieur le partenaire, je vais dire le chef partenaire, je vous dirai pourquoi tout à l'heure, messieurs les représentants de nos maisons d'arrêt, les régisseurs, les représentants de nos centres de sauvegarde où nous intervenons, messieurs, mesdames, les intervenants artistiques, les amis OSC qui sont venus me soutenir, je vous remercie. Qu'on applaudit très très fort pour le travail que vous faites déjà. Alors, on en vient maintenant au mot du représentant de Monsieur le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Monsieur, vous avez vu ce qui se fait. Vous avez entendu les uns et les autres. Quel est le message? Quel est le regard que vous portez sur tout ceci? Le projet de Carita n'est pas un projet que je découvre. C'est un projet que je connais. Le porteur de projet n'est pas quelqu'un que je découvre. C'est un aîné, c'est un grand frère, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Parce qu'il met du cœur, il met tout son esprit dans ce qu'il fait. Je souhaite vraiment la bienvenue et bon retour et surtout de faire passer le message aux autres que allô, ça veut dire j'ai besoin de vous. Je vous remercie. Un grand merci au régisseur de la maison d'arrêt d'Abomey-Calavi et puis Hermas Maguidi que je vois ici et même Alfred Fadalongo Freddy. Vous savez que vous pouvez aller chercher par là-bas aussi, hein. Il y a de très bons acteurs. Avec cette voix de Stentor, il n'avait pas besoin de faire. Merci. D'envoyer
d'abord de recruter des artistes, de les former.